L'image du retour de Mohamed V reste gravée dans ma mémoire comme si c'était hier. Ce retour tant attendu et espéré par tout le Maroc s'est concrétisé à Rabat et j'ai toujours en souvenir cette foule compacte qui crie sa joie. Mon premier contact avec la lecture s'est traduit par mon entrée à l'école coranique. À quelques lieues de l'école, le premier jour où mon père m'a accompagné, j'ai entendu le récit des versets m'interpeller. À la suite d'un défilé militaire avenue Mohamed V à Rabat, à la tête duquel les élèves du lycée militaire de Kénitra ouvraient la marche dans une impeccable tenue de parade, j'ai été trouvé M. Mahjoub Hardan, qui était alors ministre de la Défense nationale, m'ayant pris en sympathie, il me fait donner quelques leçons de français. Et à la rentrée scolaire, je fus admis au lycée militaire du Kénitra. Mahjoub Hardan m'a ainsi ouvert la porte à l'instruction. Après quelques années passées au lycée militaire du Kénitra, où la discipline ne me convenait pas, je suis revenu sur Rabat, où j'ai fait mille et un petits boulots. Là, j'ai arpenté l'avenue Mohamed V jusqu'à l'intérieur de la vieille ville. Les petites ruelles de l'Exar m'ont procuré beaucoup de bonheur et m'ont permis d'oublier ma situation difficile. En fait, j'avais quitté le foyer familial car je craignais la colère de mon père. Très souvent, j'ai traversé la rue des Consuls pour aller au Zoudaïa. Là, je m'installais dans un café où l'on pouvait contempler le bourg grec et salé. C'était un moment où je voyageais par le rêve. Lors d'une exposition du peintre Schneider au Centre culturel français à Rabat, j'ai rencontré le peintre Rebaoui. Je l'ai abordé en lui disant « je fais de la peinture ». Le jour suivant, il m'a invité à un déjeuner avec deux de ses collectionneurs auxquels j'ai vendu mes deux premiers tableaux. Grâce à l'argent de la vente, j'ai pu acheter des pinceaux et des tubes de peinture. Il reste que sans cette rencontre, je n'aurais peut-être jamais pu peindre. De plus, Rebaoui m'a donné son amitié et nous nous sommes souvent rencontrés au café des ambassadeurs en face de la poste centrale. Après quelques années de séparation avec le Maroc, Aziz et Ali Bnani m'ont invité à renouer avec mon pays lors de retrouvailles chez Abdeslam Bnani. En m'ouvrant la porte de leur maison, ils m'ont permis de retrouver mes racines. Ma rencontre avec Moulay Ahmed et Yassir Alaoui a été déterminante dans la consolidation de mon lien avec le Maroc. Moulay Ahmed apporte un grand soutien aux artistes et aux créateurs. Grâce à lui, j'ai eu l'immense privilège d'être reçu par Sa Majesté le Roi. Ce fut un moment de grande émotion. Ma reconnaissance lui reste éternelle. Hair Riyad représente pour moi la conjugaison de la modernité et de la convivialité. Sur Bat Jdid, avec l'intégration d'espaces pour l'art, est digne des plus belles réussites architecturales. Bonsoir. Sans l'autre, nous ne sommes rien. Par le biais de cet hommage, j'ai tenu à exprimer ma reconnaissance aux personnes qui m'ont tendu la main. Je ne peux pas exprimer, lors de cette émission, ne pas exprimer ma reconnaissance aussi à la France qui m'a ouvert sa porte. Et où le Maroc a beaucoup d'amis. Ma carte blanche de ce soir porte sur un thème qui me tient beaucoup à cœur, celui de l'autre, vous avez pu le constater. Pourquoi l'autre? Je me le demande. À travers mon vécu d'abord, vous avez pu vous rendre compte de l'importance de l'autre. L'émission comportera trois axes principaux.
Ces images représentent la tolérance, la solidarité et le dialogue. Nous avons pour ce débat de ce thème des invités de marque avec qui je partage ces préoccupations. Et bien sûr, Georges Moustaki, Paul Nahan, Mustapha Nissabouri, Michel Gilibert, Yaoud Alankri, Khalid Jem'i, Abdelkrim Qbej, je dirais le professeur, pardonnez-moi, le professeur Chedadi, son Excellence l'ambassadeur Hayam, M. Jacques Perrin, M. Yanajat Atabo, M. Tibari Cantor, l'abbé Pierre et Marc Jolivet. La tolérance, c'est l'acceptation de l'autre, s'accepter soi-même d'abord. Avant d'accepter l'autre, il faut s'accepter soi-même. Qui mieux placé que l'abbé Pierre pour nous en parler? Nous nous sommes déplacés pour aller le voir, parce qu'il ne pouvait pas venir nous rencontrer, donc nous sommes allés le voir chez lui, dans sa maison de retraite en Normandie. Nous l'avons fait réagir sur l'extrait de l'interview accordée par Sa Majesté le Roi à Frédéric Mitterrand. Regardons ensemble. Je pense que l'ignorance ne peut amener avec elle, dans son courant, que l'intolérance. Du reste, le mot « générosité » qui s'employait au XVIIe siècle avait vraiment ce sens-là. Quand on disait d'un homme qu'il est généreux, ça voulait dire qu'il donnait intellectuellement, mais qu'il acceptait aussi intellectuellement et sentimentalement. Ce matin, à la télévision, je voyais l'abbé Pierre. Et j'étais très frappé par la... Que j'ai connu. Par la qualité. Vous l'avez connu? Je l'ai connu. Connu il y a cela à peu près 35 ans. Est-ce qu'un homme comme ça intéresse le pratiquant que vous êtes, sire? Ah, mais naturellement, non seulement il m'intéresse, mais je le suis. Je le suis dans toutes ses émissions, dans toutes ses actions, car en définitive, qu'est-ce qu'il prêche? Il prêche la vigilance. Il ne faut pas s'endormir. Il prêche le fait d'être présent avant que l'événement ne survienne. Il prêche la connaissance poussée au maximum des besoins dans lesquels peut se trouver le nécessiteux. Il prêche le combat constant pour l'amélioration de la condition humaine. Tout cela, ce sont des principes traditionnellement, historiquement, les principes de nos trois religions. Il le fait à sa façon, le style étant l'homme, toujours aussi vigoureux, la répartie toujours aussi rapide, le mot exact qui fuse quand il le faut. Je dois dire que j'envie l'abbé Pierre, à son âge, d'avoir une telle vigueur. Votre réaction? Ce que Sa Majesté le Roi du Maroc vient de dire me touche beaucoup, mais je dois dire que c'est sûrement aux yeux de l'exigence de perfection et de miséricorde de Dieu, c'est plus ce que j'essaye de faire que ce que je réussis à faire. Oui, nos idéaux sont les mêmes. Je dois faire un aveu, une confession. Il m'est arrivé de remettre au roi l'évangile. Je me souviens que j'en étais très touché. Le roi Hassan II me dit, l'évangile de Saint-Luc, c'est celui que je connais le mieux, et c'est celui dans lequel est raconté l'épisode de l'apparition de Jésus ressuscité aux deux disciples d'Emmaüs. Je tremble quand je rencontre des chefs d'État. Je sais les difficultés, je sais comme il faut qu'ils fassent régner l'ordre et la justice, mais la justice, c'est tellement difficile dans des périodes comme la nôtre, où il y a... Pour qu'il y ait la tranquillité, qu'il n'y ait pas les meurtres que l'on voit dans les rues d'Alger quasi tous les jours, il faut une certaine rigueur, mais il ne faut pas oublier que cette rigueur doit rester humaine. Nous parlons de tolérance. Il faut, quand on a la charge du gouvernement, être fort pour tolérer sans crainte des différences d'opinion.
Ça a été pour moi une émotion importante dans ma vie de revoir le roi il y a peu de mois. Je lui ai depuis écrit pour le remercier. Et c'est peut-être un peu utopique et un peu un rêve, mais je profite de notre nouvelle rencontre par la mécanique de la télévision. Je suis très heureux de rencontrer de nouveau Sa Majesté. Dites-le-lui. Qui est mieux placé que l'abbé Pierre pour nous parler de la tolérance? Je dirais aussi, la transition se fait d'elle-même, puisque le journaliste a un rôle très très important à jouer. Messieurs les journalistes, je tiens à vous rassurer aussi que je voulais, depuis tout à l'heure, essayer de donner à cette émission un caractère un peu plus léger. Mais je n'arrive pas encore, c'est pas évident du tout. Alors donc je passe chez des journalistes qui ont tout à fait l'habitude. Et je commence bien sûr par Khalid Jamei, pour lui dire de Khalid Jamei, qui est rédacteur en chef de l'Opinion, comme vous le savez. Et j'aimerais bien que vous réagissiez à ce que l'abbé Pierre vient de tenir, les propos de l'abbé Pierre. On ne peut qu'être d'accord avec l'abbé Pierre, mais vous savez, nous en avons parlé plusieurs fois, moi il y a un mot qui me turlipine, c'est le mot de tolérer. Et j'aime pas ce mot, parce que tolérer est imparfait lorsqu'il s'agit des êtres humains, c'est accepter malgré soi, tolérer quelque chose. Non, je ne suis pas décidément pour ce mot. Je suis désolé, je n'ai jamais prononcé le mot tolérer. Non, c'est pas tolérance. Non, ça, mais qui dit... Le sens est tout à fait autre. Je pense que lorsqu'on parle de tolérer, tolérance, le mot, c'est... Il aurait mieux fallu, à mon avis, et moi, si je dois utiliser une telle terminologie, je préfère avoir recours au mot accepter, ou, comme l'a dit Sa Majesté, faire preuve de générosité. Mais tolérer en soi, c'est un concept qui n'est pas du tout... très ouvert, c'est accepter malgré soi quelque chose. Et ça, je voulais le dire, parce qu'on utilise beaucoup ce mot, et tant qu'on l'utilisera, à mon avis, ce n'est pas l'acceptation totale de l'autre. Je ne sais pas, Paul Nahan, je crois que c'est nous. Non, je suis d'accord avec Attendez, Fanny. Pardonnez-moi, je tiens quand même, même si Paul Nahan, on ne peut pas beaucoup le présenter, tout le monde le connaît ici, Paul Nahan est directeur adjoint de l'information, des magazines, et producteur surtout d'une émission extrêmement regardée, qui est Envoyé spécial. Donc c'est un homme qui est tout à fait, je dirais, aiguisé pour l'information. Alors, Paul... Non, moi je suis d'accord avec Khalid, parce que le mot tolérance, je trouve que c'est un peu un mot à la mode, c'est un peu un gadget. Et je crois que je préfère, comme Khalid, le mot acceptation. Et je crois que c'est plus profond. Et l'acceptation veut dire tolérance, un arrière-goût de quelque chose qui n'est pas fini, à savoir qu'on fait simplement une partie du trajet. Alors, tandis que l'acceptation, c'est dans les deux alors, sens. Alors, accepter, disant, moi, je veux tout à fait aborder dans votre sens, j'accepte, alors, j'accepte l'acceptation. Alors, mais... Non, c'est l'acceptation de l'autre, l'acceptation des différences. C'est surtout ça. Accepter, je ne veux pas qu'on tolère ma différence. Je veux qu'on l'accepte. Oui. Et qu'on fasse avec. Oui, mais je tiens à avouer aux téléspectateurs que, probablement parce que, vu que je n'ai que le certificat d'études, il est fort probable que je n'ai pas une richesse de langage qui me permet de chercher autre chose que tolérance. Mais nous, ton métier à toi, c'est d'utiliser la couleur, d'utiliser les pinceaux, d'utiliser, de faire jaillir d'une toile blanche quelque chose d'extraordinaire, alors que nous, tu veux, nous utilisons les mots. Nous sommes tenus d'être précis dans les mots, parce que chez nous, les mots peuvent facilement tuer. Et c'est ça qui est grave. Voilà. Tu touches, j'allais dire, un sujet qui me préoccupe beaucoup. Votre rôle, messieurs les journalistes, c'est un rôle important. Vous avez vous avez pris une place considérable dans la société actuelle. Considérable. Oui, tu veux que je réponde? Ah oui, alors... Non, moi je dirais, non, tu poses la question, je crois qu'on a une place considérable. Je dirais malheureusement ou heureusement. Je ne sais pas très bien si c'est bien ou mal. Ça, l'histoire le dira. Mais en tout cas, notre métier, c'est d'aller témoigner et d'aller vers l'autre et d'aller dans tous les points du globe, y compris dans nos propres frontières, pour aller voir ce qui se passe et témoigner, je dirais honnêtement, parce qu'on ne va pas faire un discours sémantique ou une bagarre sémantique, je ne crois pas que l'objectivité des journalistes existe. Je crois en tout cas l'honnêteté. L'objectivité, j'y crois pas trop. En tout cas, notre rôle, c'est d'aller témoigner, même si ça ne fait pas plaisir.
pour essayer de vaincre ces barrières, pour essayer de vaincre ces intolérances, pour essayer de mieux faire accepter l'autre et les situations. Et encore une fois, bon, bien entendu, on n'est pas comme l'abbé Pierre, hein, mais l'abbé Pierre, ben, il va, il marche, il enfonce des portes, il enfonce des situations extrêmement compliquées, extrêmement graves en France, sur l'exclusion. Nous, on n'a pas ce même rôle parce que bon, l'abbé Pierre a une profonde mission, mais quelque part, je crois aussi à la mission des journalistes, la mission de tolérance, la mission d'accepter l'autre, cette mission d'honnêteté, et cette mission, quelque part, de rapprocher les gens, les points de vue. Encore une fois, on a vu le rôle des journalistes cette année, dans toute l'Europe, des journalistes qui sont morts sur les théâtres d'opération. Je crois qu'il y en a eu 90, c'est l'année record de morts journalistes sur les terrains d'opération, au Rwanda, en Éthiopie, en Yougoslavie, en Somalie, au Proche-Orient. Eh bien, on est là, il faut qu'on témoigne, il faut qu'on rapporte pour que l'opinion sache. Et il y a quelque chose que vous connaissez bien, vous ici, qu'on connaît bien en Europe aussi, c'est maintenant ce monde qui est en train de devenir, ou qui est devenu depuis quelques années, un village. Moi, je raconte cet exemple, ou cette anecdote, quand j'ai commencé ce métier il y a quelques années, on m'envoyait, mon rédacteur en chef m'envoyait sur un événement, disons, je ne sais pas, une bombe qui explosait à Ankara, qui faisait 10 morts, on allait. On prenait l'avion, on revenait, on développait la pellicule et on informait 3 jours après que la bombe avait explosé. On voyait les images. Aujourd'hui, une bombe explose avant le journal de 20h à 20h moins 1, c'est en direct dans le journal. Donc toute la conception de l'information a changé. C'est terrible, mais moi ce qui me choque, pardonnez-moi, même si... ce qui me choque surtout, c'est aussi cette banalisation de la violence. Moi, avant de répondre à cette problématique de la banalisation, moi, je voudrais juste... revenir sur le problème du témoignage. Je pense qu'il faut bien reconnaître que dans nos pays du tiers-monde, les journalistes n'ont pratiquement pas le droit de témoigner. Or, dans notre culture, et là, vous me permettrez, je vais parler en arabe pour quelques secondes, et après, je traduirai. Oui, je traduirai, il n'y a pas de problème. Il y a un adage très fort, « Leïs alladhi man ra'a qu'alladhi man sami'a ». Grande est la différence entre celui qui voit et celui qui entend. Et la deuxième chose, c'est un verset du Coran. « Ya ayyuhal ladhina amanu, ija'akum fasiqun binaba'in, fatabayyanu, antusibu qawman bijahalatin. » Ô les fidèles, et si un dépravé vous apporte une information, commencez par la vérifier, car si vous la vérifiez, vous risquez de porter atteinte. Donc ce sont deux choses très importantes. Et donc, et autre chose, c'est que notre métier de journaliste, pour moi, être journaliste, cela me permet une chose extraordinaire, de ne pas avoir de frontières. C'est la planète qui est ma patrie. C'est le journalisme qui est mon pays. C'est, pour moi, la frontière n'existe pas. Et pour un journaliste, elle ne doit pas exister. Il faut que je cesse d'être marocain lorsque je vais vers l'autre. Il ne faut pas que j'aille en disant c'est un Marocain qui va aller là-bas. C'est un humain qui va aller à un autre humain. C'est essayer de faire fi de tous nos présupposés, c'est essayer de faire fi de nos atavismes, etc. Moi, je reviens d'un voyage en Israël et d'un voyage de la Cisjordanie. Et pour moi, ça rentrait dans ce cadre. C'est aller témoigner, aller regarder. Nous en parlerons, je te l'assure. Mais puisque tu me dis d'aller vers l'autre, je crois qu'un peu... Mais bien sûr que vous allez intervenir, c'est ça qui est intéressant. Je crois, j'aimerais bien que cette émission puisse être vivante. Et pour qu'elle soit vivante, vous allez pouvoir intervenir encore une fois. Mais faisant place à la chanson et au rêve. Georges Moustaki. Georges Moustaki, qu'on ne peut plus présenter, qu'on n'a plus besoin de présenter. Je profite du micro pour dire un petit mot sur le mot tolérance, qui c'est une boutade de Jean-Paul Sartre qui disait « La tolérance, il y a des maisons pour ça ». Je veux dire aussi que je suis né dans un pays où le concept de tolérance, prenons-le dans son sens noble et non pas à travers cette boutade, je suis né à Alexandrie, je suis né en Égypte, et c'était une ville composée de 1000, peut-être, j'exagère un peu quand même pour méditerranéen que je suis, mais enfin beaucoup d'ethnies, beaucoup de races, beaucoup de religions, beaucoup de cultures, et j'ai vécu
mon enfance et mon adolescence dans une grande harmonie. Je veux dire, c'était possible, et ça, c'est possible, et ça sera, je l'espère, possible. Un dernier mot avant de faire cette chanson, c'est que en traversant la Méditerranée, je suis arrivé en Europe, qui se relevait depuis quelques années de ses ruines, et j'ai découvert justement que la différence était plus difficile à vivre. Alors j'ai écrit avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux 80, avec mes yeux tout délavés, qui me donne l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire l'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux 80. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang, rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Merci, Georges Moustaki. Merci. Voyez, je voudrais vous faire une confidence. La première fois que Dezem m'avait demandé, il m'a fait ce plaisir vraiment, de me demander de faire cette carte blanche, il y a eu deux personnes que j'avais évoquées avec les responsables à la première réunion. C'était les deux premières personnes. Il y avait l'abbé Pierre et Georges Moustaki. À cause de la barbe. Ah oui, c'est vrai, pardonnez-moi, je tiens à vous dire quelque chose d'assez important. Tout à l'heure, on était en train un peu de préparer cette émission, et Georges Moustaki me disait, j'aime faire rire. Alors voyez la chance qu'il a de pouvoir faire rire les autres. Quand j'ai rapporté la boutade, qui n'est pas forcément une boutade d'ailleurs, de Sartre, j'ai aimé que la réaction sur un sujet grave soit une réaction de rire et de détente. Mais vous savez que les messages peuvent être, j'allais dire, beaucoup plus forts. Mais j'en suis convaincu. Avant de passer aussi à Mustapha Nissaboury, je voudrais un peu votre réaction sur ce qui a été dit. Bien sûr, allez, pour faire plaisir à mes amis, prenons le mot acceptation, que j'accepte d'ailleurs, mais sans rire, que j'accepte vraiment. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit, à la fois par les journalistes, parce que vous avez un rôle, je dirais, considérable, important, le rôle du poète, le rôle du chanteur. Bon, personnellement, je ne peux qu'être d'accord avec Khalil Jamaï pour justement reprendre ce mot de tolérance qui a une connotation un petit peu péjorative, et que le mot acceptation est effectivement bienvenu pour véritablement introduire un comportement beaucoup plus qu'une attitude qui donne bonne conscience, c'est-à-dire un comportement aussi de l'esprit et de la sensibilité, etc. Et
pour moi, c'est extrêmement important parce que le fait d'accepter, c'est vraiment connaître. C'est vraiment connaître. C'est-à-dire, il y a une véritable communication en profondeur. Et à ce titre, je pense que la communication, la connaissance, le savoir d'une façon générale, ne peut être véritablement que le seul et le vrai rempart contre tous les dérapages et tous les extrémismes. Et pour cela, évidemment, on ne peut parler d'acceptation, parler de connaissance, parler de savoir, parler d'information, sans évoquer tous les extrémismes qui ont lieu un peu partout dans le monde et qui d'ailleurs ne datent pas seulement d'aujourd'hui, parce que la pensée et le savoir et le mot, comme a dit Khaled Jamei, a toujours été réprimé tout au long de l'histoire. Nous n'avons pas évoqué les circonstances dans lesquelles, etc. Mais pour rejoindre le problème de la poésie et de la chanson, je voudrais dire que il n'y a peut-être pas de différence entre ce qui se passe actuellement dans des pays où l'on assassine, où l'on tue l'expression, la pensée, et ce qui s'était passé il y a quelques années, par exemple, au Chili, où parmi les choses qui ont été entreprises, c'est qu'on a pris le chanteur le plus populaire pour lui casser les doigts parce que pour l'empêcher de toucher aux cordes de la guitare, de faire circuler un son qui donne de l'espoir et qui donne du rêve et qui donne du bonheur. Et les exactions contre Pablo Neruda, l'un des plus grands poètes chiliens, et ainsi de suite. Alors, je vais aussi donner la parole, la réaction à Georges Moustaki. Alors, soyons frivoles. Non, je veux dire, moi je suis très heureux parce que c'est vrai que tous ces messieurs ont des propos qui sont très, très judicieux, mais très graves. Et c'est notre rôle, et c'est notre bonheur et notre privilège de dire des choses qui rejoignent les mêmes pensées avec une guitare et puis des mots peut-être moins pesants, mais qui rejoignent un message que nous partageons tous. C'est ce que je veux dire, chacun a un rôle à jouer. L'information donne aux mots une valeur de l'immédiat, une valeur de la... peut-être pas de la dramatisation, mais de la mise en mots et en images de ce qui arrive de difficile. Et puis nous, on a le temps, on n'est pas dans l'actualité, on est dans l'intemporel, alors on peut dire la même chose, mais sur un temps beaucoup plus long. Je dois faire un aveu, moi, depuis que j'étais en Égypte récemment, j'y reviens toujours, pardon, et j'ai découvert, parce que je suis d'Alexandrie, donc loin de l'Égypte pharaonique, et j'ai découvert que toutes les nouvelles que nous apprennent les médias aujourd'hui existaient déjà du temps des pharaons. Donc ce n'est pas très urgent de lire la presse, savoir que ces nouvelles ne sont pas vraiment nouvelles. Par contre, les traces qui ont été laissées par toutes les civilisations, les traces que laissent les artistes, elles ne se démoderont jamais et resteront toujours vivantes. Voilà. Oui. Alors ça, c'est une note d'espoir, c'est extraordinaire. Je veux dire, tout ce qu'on voit comme violence ne restera plus. C'est superbe, non? Alors, je vais donner à Nissa Bouri la possibilité donc de lire un poème. C'est un texte qui est extrait d'un un ensemble qui s'appelle Approche désertique. Prescience d'écume. Nouvelle fugue dans la matière. Itinéraire prolongé jusqu'à l'exil. Il suffit d'une rumeur océane pour que l'instant procède du large indispensable à toute rêverie dispersée. Compensation en golfe du Sicile, au regard de milliers de syllabes erratiques, de haltes promises. Et c'est tout un ciel à rebours avec la remontée de régions mortes en relief comme narration d'un possible dosage du réel. Ici, par exemple, il y avait une île où se profilait jadis un passant sans mémoire, toujours pâle, dont la gestuelle était parodie renouvelée de la fin des temps, appropriation d'une refonte des étoiles. Là, il y avait une étendue rouillée jusqu'à un espace pressenti comme substance onirique, une matière d'âme, dont les eaux reprenaient mille soleils révolus, autant que vomi par l'oxyrinque noir de mes récits. Aujourd'hui, elles sont assimilation graduelle à une identité éphémère, sa réplique au dedans conjecturé par ce qui se pose
enfin dernière, dans une strophe de rédemption à l'aube, à partir d'un contact simulé de la pierre. Fascination morne, antinomie liée à un principe d'exclusion, où se confondent indistinctement récit, désir, doute, alternance du vécu et du recommencé, une éternité d'images récurrentes, dont chaque reprise est investiture du corps par sa variante assombrie. Le corps frappé de ce mirage répétitif qui est pour une liaison plus claire à la mort. Le corps inhabité, toutes ses origines reculées vers sa nuit inaugurale avec des nuages d'intercession pour un devenir selon des écritures inconnues. Merci, Stéphanie Sabouri. Tu m'as donné un plaisir, celui de plonger dans les mots. Tes mots. Merci encore. Une chose qui n'est pas du tout prévue, je suis désolé pour les réalisateurs de cette émission, mais je voulais dire deux mots sur cette émission de carte blanche. C'est vrai qu'on deuxième l'a présentée, m'a demandé de la faire, ça a été pour moi... C'était une joie, un plaisir, et aussi une découverte. Premièrement, la découverte d'une équipe de deuxième qui était toujours présente. Et alors, une chose qui m'a beaucoup frappé, parce que je dirais que j'avais l'impression d'avoir vécu avec tous ces gens-là, toutes ces personnes étaient disponibles, toutes. Et toutes ces personnes-là vous souhaitaient la bienvenue. Donc je tiens vraiment, je ne peux pas les citer tous, parce qu'ils sont nombreux à avoir contribué à cette émission. Ils se sont vraiment donnés. Je me suis rendu compte hier que certains se sont même couchés très tard. Merci encore, merci à toute l'équipe. Je vous demande de les applaudir parce que vraiment, ils ont fait un travail merveilleux. Avant de parler de solidarité, je voudrais simplement vous raconter une petite anecdote rapidement aux téléspectateurs. C'est très drôle. Tout à l'heure, j'étais en train de parler avec Khalid Jam'i, avec Georges Moustaki et Nissa Bouri. D'un coup, j'ai appris que Khalid Jam'i et Moustaki se sont connus il y a 24 ans. Il me dit, ah, au moins cette émission, ça nous a permis de nous revoir. Vous voyez comme cette émission a un esprit qui est celui de l'amitié. Alors je vais revenir vers nos invités et parler de la solidarité. Car nous avons parlé, et ça c'est pour faire plaisir à mes amis et à mes invités, je dirais, je vais gommer le mot tolérance, je vous assure. Et bon, je vais le remplacer par l'acceptation. Et c'est vrai que c'est un beau mot. D'abord, il a une très belle sonorité. Nous avons parlé donc de l'acceptation, mais que serait l'acceptation sans solidarité? Nombreux sont des exemples de solidarité au Maroc. Nous en avons recueilli un qui m'a particulièrement touché. Je vous laisse avec la Fondation Hassan II pour les handicapés. Dont le président est Abdel Fattah Fraj, est de prendre en charge d'une manière générale et globale l'handicapé et sa famille, au niveau médical, au niveau social, au niveau culturel et sportif, et au niveau professionnel. Si nous avons des difficultés, ces difficultés viennent de l'extérieur, pour les handicapés, c'est-à-dire au niveau du transport, par exemple, nous essayons de faciliter les transports, au niveau du logement, pour les étudiants, nous essayons d'avoir des chambres dans les cités universitaires, au niveau de la nourriture et des choses comme ça, des choses de la vie quotidienne. Professeur Kaba, je me tourne vers vous. D'où proviennent vos aides? Parce que je vois qu'il y a un atelier, un travail extraordinaire qui a été fait.
Je crois que c'est un petit peu la volonté de tout le monde. Vous savez, au Maroc, nous n'avons rien inventé. Depuis déjà 1945, l'ambassade de France a un atelier de fabrication de prothèses. En 1960, il y a eu l'empoisonnement par les huiles frelatées et Terre des Hommes et Save the Children Found étaient venus aussi pour le tremblement de terre d'Agadir. Ensuite, cette activité s'est poursuivie par les lyonistes, les rotariens. Et je crois qu'on a un petit peu pris la balle au bon. Et j'avais besoin de créer un plateau technique dans un hôpital pour pouvoir aider, rendre service à une population qui n'a pas eu la chance de pouvoir marcher comme nous. Et donc, nous essayons de prendre en charge des handicapés moteurs qui n'ont pas l'exclusive du handicap, puisqu'il existe aussi des handicapés mentaux et des handicapés sensoriels. Écoutez, c'est assez étonnant parce que j'avais vu il y a quelques années, et je me retourne vers Paul Nahan, j'avais regardé une émission qu'il avait faite sur Envoyé spécial sur le Cambodge. Oui, c'est tout à fait étonnant. Je ne savais pas que vous passiez ce petit reportage qui m'a profondément ému. Et docteur Cabage, il y a la même chose au Cambodge, à Phnom Penh. Il y a une organisation non gouvernementale française, Handicap International, qui s'occupe des gosses ou des paysans, des moins jeunes, qui ont sauté sur des mines. Il y en a 60 000 aujourd'hui au Cambodge qui ont été absolument détruits par les mines, soit les jambes, soit les mains. Et il y a des étudiants, il y a cette organisation qui aide bien sûr, parce qu'il n'y a pas un centime au Cambodge pour reconstruire un pays complètement détruit et martyr. Et ces gens font des prothèses à partir des bambous qu'ils trouvent dans la rivière. Et je dois dire, dans ce genre, bien sûr, de technique, ça marche remarquablement bien. Ça marche effectivement très bien, puisque j'ai eu la possibilité de recevoir une lettre dans laquelle était collée une petite béquille faite par des handicapés au Cambodge. Donc sur la lettre, c'est apposé une petite béquille dans une substance, une espèce d'herbe ou je ne sais quoi. Et c'était fabriqué au Cambodge. C'était du bambou, c'est tout petit. Je crois qu'il faut des idées quelquefois lorsqu'on ne peut pas avoir d'argent. C'est avec ces idées qu'on peut aider les autres. Ça m'amène à m'adresser à Michel Gilibert, que De la vie de tout le monde a fait un travail considérable. Considérable pour les handicapés. Et on ne peut faire un travail considérable pour quelqu'un qu'à partir du moment où nous sommes concernés. Michel Gilibert est concerné. Je ne vais pas parler à sa place, il est assez grand pour parler lui-même de son expérience. Et je voudrais bien, Michel, que vous puissiez nous parler de votre expérience. Comment ? C'est un accident ? Comment ça s'est passé, votre handicap ? Oui, bien, c'est un accident, mais c'est peut-être aussi une maladie qui arrive avec un virus, comme le disait le professeur. C'est-à-dire que la différence, peu importe ce qu'on appelle la tolérance, qu'on appelle par tous les noms, ce qui est important, c'est de dépasser les a priori. Dépasser les a priori, c'est un effort que beaucoup de gens devraient faire, les a priori et la prétention. À partir de là, on sait que les uns pourraient être les autres. Et moi, je m'en suis aperçu le jour de mon accident. Et puis, donc, cet accident a bouleversé, évidemment, ma vie complètement, jusqu'au jour surtout où un médecin m'a dit, d'une façon un peu sec, sèche, eh bien, vous ne remarcherez plus jamais et vous aurez vos mains paralysées pour toujours. À partir de là, évidemment, ça a été un choc et je suis rentré chez moi. J'ai refusé absolument d'aller dans des centres, dans les établissements. Je me suis retiré et là, j'ai décidé de faire une révolution culturelle car je me suis dit, il n'est pas question qu'un accident soit la fin de ma vie. Et ça, je le dis pour toutes les personnes handicapées. Que ce soit une maladie, un accident ou une naissance malheureuse, eh bien, ça peut être une richesse. Car on parle beaucoup de problèmes de la différence, mais on doit parler de la richesse de la différence. Moi, je peux vous dire que mon accident m'a complètement changé. Car broyé, cassé, eh bien, d'un seul coup, j'ai pu enfin vivre debout et libre. C'est ce qui m'a fait complètement revenir sur mon système de vie qui était dérisoire. À partir de là, j'ai eu une nouvelle naissance. Et grâce à la solidarité de tas de personnes que j'ai provoquées en leur disant « je ne savais pas que cela pouvait exister ». Mais par exemple, il n'y a pas de recherche sur la moelle épinière. La moelle épinière, c'est une centaine de milliers de fibres nerveuses qui sont au milieu de la colonne vertébrale et qui dirigent absolument tout notre corps. Eh bien aujourd'hui, si vous avez un accident, vous tous, il n'y a pas de solution. Vous êtes condamnés à vie.
J'ai donc attaqué ce problème avec une femme, Jane Birkin, qui m'a beaucoup aidé. Et à ce passage, il est intéressant de souligner la différence sur plusieurs points. Les gens aiment bien les handicapés pauvres et malheureux qui pleurent. Car ça les rassure. Ils en ont peur, ils ont peur que ça leur arrive. Mais dès qu'un handicapé commence à bouger, alors il est critiqué. En fait, d'être heureux et handicapé, c'est pas toléré. Je crois que c'est vrai pour beaucoup de différences. La différence, elle est acceptée dans un cadre précis. Et l'espoir, eh bien, c'est justement que toute la société, quelle qu'elle soit, fasse un effort pour participer, aider. Rien ne nous appartient. Les personnes en bonne santé, je m'en suis aperçu, hein, j'étais en très bonne santé, eh bien, tout ce qui est parfait, soi-disant, n'appartient à personne. Et à partir de là, tout peut être bouleversé du jour au lendemain. Eh bien, la solidarité, c'est ça, c'est que les sociétés savent et doivent savoir que la différence n'est pas une exclusivité pour certains. Alors, j'ai continué ma vie. Et là, j'ai monté l'Institut de recherche sur la moelle épinière, avec des critiques, avec des associations, parce que c'est pas parce qu'on est handicapé que l'on est un homme formidable et sans problème. Alors, évidemment, toutes les associations ont été très jalouses de cette action, parce qu'il y avait Jane Birkin. J'ai été critiqué par la presse aussi, parce qu'on ne faisait pas pleurer. On m'a dit, qu'est-ce que c'est? J'ai même eu des titres dans certains journaux, « La belle et la bête ». Ça, on voit qu'il faut dépasser certains a priori et ne pas faire, il ne faut pas que les gens qui vont bien fassent une propriété des gens qui vont mal. Ça, c'est la bienfaisance. Il faut en sortir complètement. Donc, j'ai commencé, nous avons monté cet institut, des tas d'amis nous ont rejoints, que ce soit des médecins, que ce soit des personnes, des artistes, des journalistes, des industriels, etc. Et nous avons pu commencer un vrai combat qui a été critiqué tout le long. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas un combat logique, justement, par rapport à cette bienfaisance. Et il a fallu se battre tout le temps, et je me bats encore, car la jalousie est tout le temps présente. Vous pouvez être cassé, on vous en veut d'être bien. Donc il faut savoir que tout espoir est permis, que ce combat il est personnel, mais qu'il est aussi de tous. Et arrêtez de pleurer sur les handicapés. Faites quelque chose et que les industriels ouvrent leurs portes. On a entendu à la Fondation Hassan II, que vous connaissez bien, cher professeur, puisque vous en occupez avec votre association du Sud-Maroc, eh bien, on voit qu'il y a des besoins qui sont très faciles à apporter et qui donneront un espoir concret, pas de l'espoir gentil, un espoir concret à toutes ces personnes. Et ça, il le faut. Aujourd'hui, j'ai un autre combat de jalousie. Je le mènerai aussi jusqu'au bout. Et puis, il y a eu des choses drôles dans toute cette vie. Par exemple, un jour, je dînais avec Jane Birkin dans un restaurant et j'avais une serviette qui était attachée jusqu'au cou parce que je me tachais beaucoup. Et comme je n'ai pas de main, on me donne à manger. Et on me donne à manger, je préfère que ce soit une charmante femme qui me donne à manger. Et là, il y avait en face de nous un autre couple. Et l'autre couple, la femme n'avait pas vu que j'étais en fauteuil roulant, parce qu'il y a des différences dans les fauteuils aussi, les grandeurs de roues qui font qu'on vous prend tout de suite pour un handicapé, les petits trous, on vous laisse passer plus facilement. Et donc la personne n'ayant pas vu ça a mis la serviette de son ami autour du cou, en rigolant, en nous regardant. Et puis je pars. Benberg, il me pousse et je pars. Et à ce moment-là, la personne qui avait fait ça devient verte et s'est vue où se mettre. Et simplement, en passant, je lui ai dit, vous en faites pas, le fauteuil roulant, c'est aussi pour rigoler. Et je crois que dans tout ça... Michel, c'est extraordinaire. Le témoignage de M. Gilibert est très important. Et dans la droite continuation de ce qu'il vient de dire, je ne crois pas qu'il faille délimiter le problème des handicapés au mot solidarité. Et comme vous aviez gommé le mot tolérance, il faudrait peut-être compléter le mot solidarité par le mot dialogue. Écoute, ce qui vient d'être dit est très important. C'est à l'écoute de gens qui ont souffert dans leur chair qu'on peut leur rendre service. Et qui vous dit qu'ils ont besoin que vous leur rendiez le service que vous voulez? Je crois que c'est à l'écoute de leurs besoins,
C'est pour ça qu'au niveau de l'association de Marrakech, qui devient bientôt nationale, nous avons été à l'écoute. Nous avons commencé par ce que nous savions faire, ce qui était la chirurgie. Et puis on s'est dit, il y a peut-être autre chose, qui est la kinésithérapie, qui est l'orthopédie, ça faisait toujours partie de la médecine. Et ensuite on s'est dit, ces gens, une fois debout, ils vont aller vendre des cigarettes dans la rue, ils seront délinquants, il faut leur apprendre un métier. D'où le centre que vous venez de voir, qui est un centre qui fait travailler à peu près 200 personnes, et on leur apprend, filles, garçons, un métier, en espérant qu'un jour, ils seront fiers d'être en même temps handicapés moteurs et de participer à la vie active du Maroc. C'est, on parlait un jour avec Gilibert, je venais de le connaître, et à chaque fois qu'il y avait un dîner, je dis, mon Dieu, mais comment il va faire pour monter? Et un jour, je lui ai dit, écoute, Gilibert, pour un dîner, je ne sais pas chez qui, je ne me rappelle plus, on devait se trouver, il m'a dit, te préoccupe pas, je viens, considère-moi comme les autres. Et ça, c'est une leçon importante. Il faut qu'on considère les handicapés comme un être normal, et pas un être... J'allais dire, différent, c'est évident. On est tous différents, puisque à partir du moment où l'autre, c'est tout ce qui n'est pas moi-même. Je crois que tu voulais dire autre chose, pardon. Oui, je voulais parler de la fondation Hassan II et du travail fait par l'association du Sud-Maroc, qui est extraordinaire, et je ne revois pas des fleurs, ce n'est pas mon habitude. Mais là, il y a un travail qui se construit à fur et à mesure, et nous sommes connus l'année dernière. Et l'évolution en un an est gigantesque, mais grâce à la volonté et à la solidarité, ce mot si galvaudé, mais qui quelquefois a un sens, grâce à la solidarité de personnes comme notre cher professeur, qui a pu faire dépasser un certain nombre d'a priori. Michel Gilibert voulait souligner, on parlait de solidarité. Nous avons organisé un dîner l'année dernière en France, à Paris, par des Français, ils sont nombreux à aimer le Maroc, et nous avons pu acheter 80 fauteuils roulants et 2 minibus que nous avons offerts à la Fondation Hassan II pour les handicapés. C'est un acte de solidarité par des gens qui aiment ce pays. On parle de voix, on parle de découverte. J'ai découvert sa voix par l'intermédiaire de mon ami Claude Vicario, décorateur qui a choisi de vivre au Maroc. Donc voilà, j'ai découvert Najat Tabou. Je vous en prie.
plaisir fou à préparer cette émission. Je disais à quelqu'un, carte blanche, mais je me réveille avec, je dors avec. J'ai eu un plaisir fou à la préparer. J'espère que vous aurez du plaisir à continuer à rester avec nous. Oui, j'ai quitté le Maroc il y a 27 ans. J'ai gardé de ce Maroc, j'y viens souvent, mais j'ai gardé de ce pays cette chose extraordinaire qui fait que le Maroc est différent, c'est cette solidarité. Cette solidarité qui existe, je ne veux surtout pas parler dans le passé, qui existe dans les familles, qui nous a permis jusqu'à présent d'échapper à la violence et à l'extrémisme. Je suis très heureux d'accueillir le professeur Chidadi. Vraiment très très heureux. Parce que vous allez pouvoir, j'espère, qu'on me donne toujours l'espoir de croire en cette solidarité. Oui, évidemment, il y a actuellement au Maroc une solidarité qui permet aux gens de vivre une vie acceptable dans une situation parfois difficile. Je pense qu'il faut distinguer entre deux types de solidarité. Une solidarité qu'on dirait organisée, institutionnelle. C'est la solidarité, par exemple, de la sécurité sociale, qui est organisée par l'État. C'est la solidarité, par exemple, des syndicats. C'est une forme de solidarité organisée et institutionnelle. Mais à côté de cette forme de solidarité, il y a aussi une solidarité spontanée. Et je pense que quand vous parlez de solidarité dans la famille, c'est à cette solidarité que vous pensez, cette solidarité spontanée qui se passe entre individus, qui se passe également à l'intérieur d'un milieu assez restreint et qui permet justement aux gens d'affronter un certain nombre de problèmes de leur vie. Je pense que si, la chose prise sous cet angle est peut-être une chance pour le Maroc parce qu'on ne la trouve pas partout aujourd'hui dans le monde. Je pense que dans beaucoup de pays riches, qui ont beaucoup de moyens de toutes les sortes, intellectuels, économiques, artistiques, etc., on souffre beaucoup de solitude. On souffre beaucoup d'être tout le temps pris dans la logique de l'intérêt personnel, de l'intérêt économique, économique étroit, et on n'arrive pas à sortir de ce cadre-là. Au Maroc, il y a encore quelque chose d'une solidarité ancienne, enracinée, dans laquelle peut-être la valeur suprême n'est pas l'intérêt, mais la valeur suprême est la gratuité. Tout le contraire de ce qu'on peut trouver dans d'autres sociétés développées. Et je pense que ce côté-là, effectivement, est un côté très très important qu'il faut sauvegarder autant que nous pouvons le faire. Comment? Moi, je suis pressé de vous dire comment faire. Quel mot vous allez pouvoir donner d'espoir? Parce que, attendez, je tiens à vous dire que je veux que cette émission soit aussi une note d'espoir, un message que je vous demande en quelque sorte. Alors, vous me demandez comment le faire. Malheureusement, je crois qu'une personne n'est pas capable de répondre à ce genre de questions. En fait, c'est le problème de la société tout entière. Et quand je disais que nous avons une chance, il faut dire aussi que nous vivons aussi de grandes difficultés. Quand je parle de société de solidarité organisée, c'est une chose qui est nécessaire dans la vie moderne. On ne peut pas s'en passer. Si aujourd'hui l'État ne s'occupe pas d'un certain nombre de problèmes généraux, les individus ne peuvent pas le faire. Il faut que l'État, par exemple, organise la sécurité sociale de façon satisfaisante. Il faut que l'État s'occupe de manière satisfaisante de l'éducation. Il faut que l'État organise les dialogues permet l'organisation du dialogue entre les gens. Et si l'État ne fait pas un effort, et évidemment tous les organes constitutionnels ne participent pas à cet effort d'organiser la solidarité, il ne se fera pas. Et donc, il y a quelque chose que nous héritons et qui est important, nous devons sauvegarder, mais aussi une solidarité que nous devons construire. La solidarité, ce n'est pas simplement quelque chose qui est là gratuitement, qui est là spontanément. C'est une chose qu'il faut construire, pour laquelle il faut faire un effort sérieux, important, continu, pour lui donner des bases, solides, qui ne s'effritent pas au premier choc venu. Il y a eu
un type de solidarité, des situations qui nous avaient paru stables, importantes chez nos voisins par exemple, et un vent rapide vient balayer pratiquement tout un ensemble d'acquis. Je pense que c'est une chose importante à regarder. Si nous devons organiser la solidarité, il faut l'organiser sur des bases qui lui permettent de perdurer. Et ceci, évidemment, dépend non pas seulement d'un individu, mais dépend de tous. Je crois que c'est intéressant parce que ça va nous amener à nous retourner toujours vers nos amis de la presse. Mais hier, j'étais avec... enfin, ma femme Anne et moi étions hier des invités de l'Alliance à Meknès. Le groupe du Lions, et j'ai fait un topo sur le voyage à Gaza et dans les territoires autonomes et en Israël. Et à la fin de notre intervention, ils m'ont parlé de ce qu'ils ont fait. Et j'ai été complètement sidéré. Moi qui suis dans la presse, je ne savais pas du tout que ça existait. Mais mea culpa. Voilà des gens qui, dans la ville de Meknès, ont créé et descendent un centre de dialyse absolument incroyable, des gens, des citoyens anonymes. Il y avait des Juifs, il y avait des Arabes, il y avait des Français. Tout ce beau monde-là était là. La différence, l'acceptation, ils n'étaient pas en train de faire de la théorie, c'était dans l'acte quotidien. Et donc, ils ont créé un centre de dialyse avec quatre reins artificiels. Et ça, c'est quelque chose. Et ils reçoivent. Et l'année dernière, ils ont fait 4000 dialyses, ce qui est absolument incroyable dans ce livre. Mais si je signale le cas, c'est pour pousser un peu plus loin le raisonnement. C'est-à-dire la solidarité, oui. Mais je pense que ce mot de solidarité, Paul me disait tout à l'heure, moi, il me gêne, je ne sais pas pourquoi, voilà des mots qui nous gênent. Mais ce qui se passe, la création, que ce soit de votre association, que ce soit ceux de Lyon, soit des gens, moi, dans la presse, qui créent des associations comme ça, moi, je pense que c'est très important parce que ça va au-delà de la solidarité. Cela va vers la consolidation d'un État démocratique. Ça veut dire que c'est là le garant qui est la mise en place d'une société civile qui se prend en charge. Parce que jusqu'à maintenant, il faut dire que dans les pays du tiers-monde, et nous, citoyens de ces pays, nous avons été véritablement, nous avons vécu avec le véritable esprit d'assister. Nous attendons que l'État fasse. Nous avons, l'État doit résoudre les problèmes de l'enseignement. L'État doit résoudre les problèmes de la santé. L'État. Et après tout, bon, donc, ça nous donne bonne conscience. C'est pas moi, c'est l'autre. Le verre m'est tombé de la main, et ainsi de suite. Or, l'émergence de ces groupes, cela veut dire qu'on a franchi un pas. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place cette société civile qui, tout en critiquant s'il y a des défaillances dans l'État, se prend en charge. Et c'est ça qui va constituer un contre-pouvoir et donc asseoir la démocratie, la liberté d'expression et la démocratie surtout. Voilà ce que je voulais dire. Je crois que Paul Nahan veut compléter. Je voudrais simplement ajouter quelque chose. Je suis très heureux parce que je crois que je suis en train d'atteindre au moins, là, dans cette salle, le but, celui de faire de cette émission une émission vivante. Paul. Oui, pardon Mehdi, je vais ramener encore une dot un peu pessimiste, mais qui est quelque part aussi d'espoir. On parlait du rôle de l'État tout à l'heure, hein, et de la solidarité. L'État, prenons l'État français, et reprenons l'exemple concret vécu que je vous ai raconté tout à l'heure sur le Cambodge. Donc une organisation non gouvernementale française, Handicap International, qui va donc arranger des prothèses, qui va faire là-bas des prothèses pour des jeunes infirmes et des moins jeunes. Ils sont 60 000 aujourd'hui au Cambodge. Formidable, non? C'est extraordinaire. Une prothèse, ça coûte 5 francs. Qu'est-ce qui donne de l'argent à Handicap International? Ce sont les dons et la solidarité. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup ce mot. Vous allez voir pourquoi tout de suite. Alors, par quoi remplace-t-on, Paul? Attendez, attendez. Laissez-moi finir, Mehdi. Qu'est-ce qui donne de l'argent pour que ces prothèses soient faites? 5 francs, c'est le gouvernement français. Et c'est la solidarité de chaque Français. Nous avons poursuivi notre enquête jusqu'au bout. On s'est aperçu pourquoi ils sautaient, ces jeunes garçons, ces jeunes hommes, ou ces moins jeunes, sur des mines. C'était des mines antipersonnelles, qui étaient faites pour briser
psychologiquement le moral de quelqu'un, pas pour le tuer, simplement pour lui enlever les jambes ou les bras. Cette mine coûte 5 francs. On peut l'acheter pour moins cher. Il y a des lots de 3 francs 50 si on achète par 10 000 ou 20 000. On a poursuivi notre enquête. Qu'est-ce qui fabrique ces mines ? L'État français. Il n'y a pas que, pour être tout à fait franc. Il y a les Italiens, les Allemands, les Anglais, les Américains. Voilà. Moi, je crois beaucoup en ce mot, la solidarité. Je crois beaucoup à l'optimisme. Et je crois beaucoup à l'autre. Et je crois que... Je crois en l'homme, tout simplement. Pourquoi je vous baratine avec tout cela ? Bon, à propos du rire, je suis allé voir Marc Jolivet. Qui aurait aimé d'ailleurs être parmi nous, mais il a un spectacle qui se joue à Paris et donc il ne pouvait pas être parmi nous. Alors je lui ai posé une question. Avant, bien sûr, de voir ses sketchs, je lui ai demandé si nous pouvions faire passer, si lui, par exemple, pouvait faire passer un message de solidarité, d'amour et d'espoir par le rire et la dérision. La réponse, oui. Eh bien voilà, une deuxième question. Oui, absolument, moi je suis persuadé que oui, bien sûr. De toute façon, l'histoire de l'humanité est baignée d'histoires comme ça. Donc moi je crois bien sûr que le rire est une arme absolument fabuleuse pour dénoncer, pour critiquer et en même temps pour donner de l'espoir. Pour un nombre de communications que vous êtes, un nombre de dialogues, pensez-vous que la société dans laquelle on vit fait de la place au dialogue? De moins en moins. Elle va faire de moins en moins de place au dialogue parce que les gens ont de plus en plus peur de l'autre. On les éduque de moins en moins à s'apprécier, à essayer à naître, à se mélanger, à être les habitants de la planète, à être des citoyens du monde. Alors c'est sûr que ça va être difficile, mais il y a toujours eu des périodes difficiles. Donc c'est le rôle des artistes, en tout cas, d'essayer d'assouplir tout ça et de donner de l'espoir et de montrer que ça existe, que l'amour, c'est toujours possible. Que la connaissance, par une meilleure connaissance de l'autre, on pourra s'approcher, être mieux soi-même dans sa peau. Les gens ne s'aiment pas, donc on ne peut pas leur demander d'aimer les autres. Il faut d'abord qu'ils s'aiment eux-mêmes et après, ils pourront s'aimer. Je vous explique ce qui vient de se passer. Ce monsieur que je ne connais pas, qui est un nouveau régisseur, vient donc de m'annoncer que ma fiancée, qui s'appelle Maëly, vient d'être interpellée dans un contrôle d'identité ce soir. Vous savez ce qui s'est passé hier, donc ils sont très chauds, et c'est normal, on comprend. Donc elle ne serait pas en règle avec les autorités françaises, et le commissariat va l'appeler. Elle n'aurait pas sa carte de séjour. Donc voilà, elle s'appelle Maëly, c'est une jeune dissidente chinoise, et j'ai donc demandé à ce qu'on appelle mon avocat, et dès qu'on aura des nouvelles, le monsieur viendra nous donner pour qu'on essaye de la faire sortir le plus tôt possible. Parce qu'elle n'a pas sa carte de séjour, je ne sais pas, en tous les cas, c'est pas une... C'est une dissidente chinoise, et je reconnais que je suis amoureux d'une dissidente. D'autant qu'elle est très... On se prend deux minutes, hein, juste le temps qu'il revienne, mais elle est très belle, elle est très jolie. Et en plus, elle a des gros seins, ce qui est très rare chez les Chinoises dissidentes. Mais moi, j'aime les dissidentes. Alors, je suis amoureux fou. Je ne vais pas vous le cacher, je suis amoureux fou de cette jeune femme. Ça fait 6 mois qu'on se connaît. Tenez-vous bien, en 6 mois, on n'a toujours pas fait l'amour. Non, elle ne veut pas. Et elle a raison, elle ne veut pas, elle a raison. C'est tellement mieux avant, le fantasme, l'imaginaire, la poésie. On a plongé nos âmes dans les yeux de l'autre, on s'est caressé, on a passé plusieurs nuits ensemble, on a dormi dans le même lit, on a couché ensemble, mais on n'a pas fait l'amour. Ah, elle m'a promis qu'on ferait ça ce soir, pourvu qu'il la libère, pourvu qu'il la libère. Cela dit, ça nous amène au vrai problème, au fond de l'histoire, pourquoi on a arrêté elle? Qui sont les vrais Français? Qui est Français? Qui n'est pas Français? L'immigration. Voilà le fond du problème. Moi, j'ai peut-être une solution, en toute humilité, hein, je vous la soumets. Voilà. Moi, je propose une carte d'identité, mais à point. Comme le permis de conduire. Vous voyez l'idée?
C'est les relais par personne n'est français. Voilà. On est personne n'est français, alors on apprend les lois de la République, on passe le code, si vous voulez. Le code, c'est les lois de la République. Et une fois qu'on les connaît par cœur, qu'on peut les appliquer, alors à ce moment-là, on vous fait passer le permis de conduire, de devenir français. Quoi. Et alors à chaque fois qu'on ferait des conneries, bah, on vous enlèverait un point, on serait un peu moins français. C'est-à-dire une injure raciste, deux points en moins. Une femme de ménage au noir, c'est-à-dire pas déclarée, quoi, quatre points. Ah, on se marre pas là, là, ça vous fait pas rêver. PDG d'une entreprise avec un atelier clandestin, 6 points. Hooligan, 8 points. Boucheron, médecin, ils sont plus français, ils sont sud-américains directement. Alors Longuet et les autres, on sait pas, on va voir. On n'en sait rien encore. Hein. Et alors, quand vraiment vous avez exagéré, quand il y a plus de points, plus de droit du sol, plus de droit du sang, et les enfants deviennent automatiquement arabes. Ben, croyez-moi, là, on les verra, les vrais Français qui observent les lois de la République. Hein. Enfin, en tous les cas, je tiens à vous remercier de votre gentillesse, parce que vous voyez, je vous parle le langage de l'amour, c'est un langage universel qui nous concerne tous, et vous le comprenez. Alors, c'est vrai que depuis le début, là, depuis le début de la soirée, je me suis planté dans le texte, c'est un peu flottant, il y a... Bon, je pourrais vous rembourser, c'est vrai. Mais moi, je trouve ça ringard, voilà. Ben, je viens juste après le rire de Marc Jolivet, c'est pas facile. Vous voyez, le dialogue, le maintien de solidarité, ne peut se faire qu'à travers le dialogue et la connaissance de l'autre. Quel plus bel exemple que celui de la décision du prix jury Nobel qui a attribué le prix cette année à Arafat, Rabin et Pérez. J'en suis vraiment heureux. Den norske Nobelkomité har bestemt at Nobels fredspris for 1994 skal tildeles i alfabetisk orden Yasser Arafat, Shimon Peres og Yitzhak Rabin for deres bestrebelser for å skape fred i Midtøsten. I have to here to thank His Excellency President Mubarak to give me my chance, and it is a great privilege for me and a great honor for me to have this prize here in his presence and here in Egypt. I would like to thank the Nobel Prize Committee for making their choice. Quelle joie aussi d'avoir vécu un moment merveilleux. Je ne peux pas ne pas profiter de cet instant qui m'est donné de parler de cette expérience que nous avons vécue. Vous voyez, c'est vrai, vous ne pouvez pas le regarder. Mais si, vous pouvez regarder à travers ma chemise, j'ai la chair de poule en parlant de cette expérience, de ce moment merveilleux que nous avons vécu en Israël. Nous avons été pour une rencontre culturelle initiée par la Fondation pour la paix, où nous avons pu rencontrer presque la totalité de ces personnes qui viennent d'être primées aujourd'hui. Mais je vais laisser aussi encore à quelqu'un qui parle très très bien, à quelqu'un qui a fait partie de ce voyage, à quelqu'un dont j'aime la sincérité, à Khalid Jamei. Vous savez, vous me faites supporter un très très grand poids. Je ne peux pas me parler au nom de tous les amis qui ont fait ce voyage. Mais il y a lieu de rappeler en premier lieu que c'est un voyage qui a été organisé par le Centre international de la paix au Moyen-Orient, qui est dirigé par notre ami Ofer Bronstein. C'est un centre qui regroupe aussi bien des Palestiniens que des Israéliens qui sont, depuis longtemps, se battent pour la paix et se battent pour le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, et qui se battent pour la coexistence pacifique entre deux États, palestiniens et israéliens. Et donc notre voyage n'a pas été uniquement en Israël, et ça c'est une chose très importante, parce que sinon ce serait contre même les principes de ce centre. Nous avons par exemple pris le petit déjeuner avec Shimon Peres à 7h, et à 10h on était dans le bureau d'Arafat, qui nous a reçus très gentiment et qui a tenu à nous remercier pour notre visite. Ce qui est extraordinaire, c'est connaître l'autre. Et là, on découvre que l'autre, c'est soi-même. Parce qu'aller en Israël ou aller en Palestine,
pour moi, c'est un sémite qui va voir d'autres sémites. Et c'est ça qui est absolument. Le cousin devient un étranger, il faut que je le redécouvre. Donc déjà, au niveau, si vous voulez, des Arabes et des Juifs qui sont des cousins, on est en train de parler maintenant de découvrir l'autre, alors que c'est la même famille, les mêmes choses. Et lorsqu'on est, par exemple, à Al-Quds, dans la vieille ville, on est absolument saisi par quelque chose d'extraordinaire, comment c'est entre le mur de la Lamentation, qui prend appui sur la mosquée Al-Quds, à quelques mètres, enfin, une trentaine de mètres, je crois, il y a le Saint-Sépulcre, et vous êtes là, au milieu, dans cet espace, moi, je dirais, béni de Dieu, un espace où, se réalise quelque chose d'absolument fabuleux. Vous entendez les Juifs prier au milieu de la Lamentation, et en même temps, vous entendez un cantique dans une chapelle, et vous entendez aussi le Mouezzin. Et ces trois choses ne constitue une unité. Il n'y a pas de dissonance, il n'y a pas de discordance. Et je ne sais pas, c'est presque... Je vais devenir un peu poète. Ça devient un hymne lyrique, un hymne divin. Et on ne peut qu'être aussi effrayé dans cet espace-là aussi, voir des armes circuler, voir une tension, et dire comment cet espace... de cette ville qui s'appelle Jérusalem et qui a un nom en hébreu aussi, qui est Oshalem, qui est la ville de la paix. Comment peut-on en même temps avoir d'un côté cette unité et de l'autre côté cette violence latente? Et pour essayer de désamorcer cette violence, nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des journalistes qui sont condamnés à faire un travail, tout ce qu'il y a d'ingrat, parce que éphémère. Nous ne sommes pas faits pour l'éternité, nous autres journalistes. Notre publicité, notre existence, elle dure le temps d'un écran, le temps de la lecture d'un article. Ce n'est pas une chanson de Moustaki, ce n'est pas un poème de Nils Habory. Nous sommes vraiment presque des voyageurs sans bagages, nous passons. Et nous sommes là, nous essayons de faire ce témoignage qui est absolument terrible. Témoigner et aller. Aller au-delà. Parce que je pense que le journaliste, dans cette visite que nous avons faite ensemble, chacun de nous, l'a vécu à travers son background. Sa propre expérience, en tant qu'artiste, exactement, oui. L'autre, en tant qu'homme de théâtre, Tayeb, moi, en tant que journaliste, ma femme, en tant que Canadienne, enfin, chacun de nous a vécu ça à travers cette expérience. Et on découvre... que pour moi, en tant que journaliste, j'espère que je resterai toujours conforme à ce que je pense d'un journaliste, c'est un dissident permanent. C'est-à-dire un gars qui a pour mission, même si c'est difficile, de violer chaque jour le tabou, aller vers l'autre, même si on le considère comme un ennemi, même si on n'est pas d'accord avec lui, mais aller et être à l'écoute et revenir... Ne pas dire la vérité parce que je ne la possède pas et toi, Paul, tu ne la possèdes pas. Mais revenir et raconter exactement ce que moi j'ai ressenti. Moi, être humain qui s'appelle Khalid Jemé ou qui s'appelle Paul, qui a vu une situation, qui a saisi un fragment minime de la réalité, mais revenir et le raconter. Et je pense que ce texte, ce reportage reporté, essayer de le faire, et le rapporter avec le maximum d'exactitude. Et c'est ça qui permettra au lecteur ou au téléspectateur de dire que l'autre n'est pas un monstre. L'autre, un Israélien, c'est un être humain. Il y a des bons, il y a des méchants, il y a des gens intelligents, il y a des gens bêtes. C'est rien du tout, c'est exactement... Et en fin de compte, c'est moi-même. C'est ma différence qui me permettra de créer mon unité. Et c'est ça, aller vers eux, discuter avec eux, dialoguer avec eux. Je pense que c'est ça notre travail. Nous l'avons fait, nous avons pris les risques qu'il fallait faire, nous assumons ce que nous avons fait, et nous pensons que c'est cela qui va permettre de faire avancer la chose. Aller là-bas, ce n'est pas
Être acquis à une cause, c'est rapporter ce que nous avons vu, tout en gardant nous aussi notre manière de voir, nos différences, nos critiques, par exemple, par rapport au, que ce soit pour les Palestiniens ou pour le gouvernement de Rabin. Mais ne pas. Le danger, c'est constituer et laisser persister ces murs invisibles qui sont pires que le mur de Berlin et que nous construisons à l'intérieur de notre tête et qui sont très difficiles à abattre. Je suis vraiment ému parce que, c'est vrai, parler est déjà un pas vers la connaissance de l'autre. Je pense que si les gens se parlaient encore davantage et un peu plus, on verrait peut-être un peu moins de guerre et un peu moins d'incompréhension. Je reviens à, je vais dire à mon ami Yehuda Alankri, ambassadeur d'Israël à Paris. Vous savez, nous nous sommes connus avec Yehuda sous le signe de la culture. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois par l'intermédiaire d'un ami sous le signe de Michel Butor. Yehuda Alankri a fait un livre sur Michel Butor. Michel Butor, je le connais, j'ai travaillé avec lui, il a écrit sur mon travail. Et voilà, donc nous nous sommes connus, nous nous sommes découverts par la culture. Je vous ai confectionné, je dis je, oui, on m'autorise à dire je vous ai confectionné Yehuda avec, bien sûr, deux M, parce que rien ne peut se faire sans deux M, c'est évident, et sans leur précieux concours, une surprise. Je vous en dirai pas plus. Je crois qu'on a aussi une chose qui nous lie tous les deux, en plus de la culture de Michel Butor, c'est aussi le Maroc. Ce sont vos racines. Mais je voudrais simplement, avant de vous laisser la parole, dire un tout petit mot. J'allais dire simplement informer les téléspectateurs qui sont là ce soir. J'ai invité Leila Shahid à être parmi nous, et à la dernière minute, elle était très heureuse d'être là, elle me l'a dit, mais avec l'actualité, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas venir. Elle m'a appris qu'elle ne pouvait pas être parmi nous. Mais je tiens absolument à dire que les Palestiniens sont présents parmi nous, dans nos cœurs, et là, tout à fait présents. Pardon, cela ne nous empêche pas de revenir à cette... Qu'est-ce que vous pensez, Monsieur Yehuda Alankri, de ce reportage qui vous replonge, je dirais, dans vos racines, parce que le Maroc, c'est vos racines. C'est une révélation au sens le plus photographique du terme. Qui me retrempe dans un bain de jouvence, dans des sources, des eaux natales, pour ainsi dire. Je suis littéralement fasciné par ce que je viens de vivre et de voir. Parce que jusque-là, je ne pouvais m'accaparer Djad, ce foyer ancestral, que sur le mode imaginaire, ayant quitté le Maroc voilà 30 ans. Béjat, c'est cette ville dont l'histoire du Maroc nous enseigne que sa fondation remonte au début du XVIe siècle.
dont le fondateur fut Sidi Mohamed Charqi, figure de proue, vénérée s'il en était, et envers laquelle les Juifs de Boujad éprouvaient un attachement considérable. Par conséquent, Boujad est vraiment ce foyer ancestral par où se dispense ce lait nourricier, constitutif pour ma part de ma marocanité judéo-arabe. À travers ces images, ces séquences revécues du Mellah, de Drablarzaouna, de l'Gara de Boujad, la place centrale, c'est en fait toute une brume mémorielle qui se dissipe pour ramener ici et maintenant à la vie un vécu proprement paradisiaque, marqué par l'enchantement et la magie de l'enfance et de l'adolescence. J'ai retrouvé en ces séquences, qui sont un puissant condensé de l'espace et du temps fondateur que j'ai connu, j'ai retrouvé cette ville, Bjad, à la santé profonde, au sommeil restaurateur, régulateur. À travers ces galeries, ces ruelles, ces rues qui sont autant d'ancrages où ma mémoire d'enfant, d'adolescent s'est fixée, des ancrages qui nourrissent et informent mon présent et mon devenir. Et pour moi, dans ce Boujad, Boujad, c'est littéralement le père du loup. Il s'agit bien peut-être d'une bonne louve nourricière. Eh bien, cette louve nourricière constitue tout un passé qui informe, instruit mon présent et mon devenir. Je te suis, cher Mendy, extrêmement reconnaissant. Tu as bien dit que nous nous sommes rencontrés sous le signe de la culture de Michel Butor, qui lui-même est porteur d'une esthétique de l'ouverture, de la communication, du dialogue. Et il était naturel qu'on puisse aujourd'hui se déplacer l'un vers l'autre, former, élaborer ce champ de convergence de la parole et la faire travailler dans un lieu où trop longtemps elle s'est refusée. Alors je suis heureux de cette occasion de participer à Carte Blanche, une occasion qui nous permet peut-être de nous défausser de certaines de nos cartes, souvent assombries par la routine, chargées de préjugés, d'a priori, pour tous contribuer à et adhérer à la blancheur d'une carte sans frontières. Si peut-être je suis un peu... Vous m'avez laissé un peu sans voix parce que je suis toujours... C'est un plaisir d'abord d'entendre quelqu'un qui parle bien. Car parler bien, c'est une forme de musique. Et c'est vrai que souvent quand je travaille, je ne voulais pas parler de mon travail, mais quand je travaille, parfois j'écoute la voix des autres. Parce que parfois elle est mélodieuse. Et là, ce que Yahouda disait, et ce qu'il disait aussi Khalid Jamé auparavant, était mélodieux. Parce qu'il appelle au dialogue, à la compréhension et à l'amour de l'autre. Je ne sais pas si tu as envie encore d'ajouter autre chose. C'est l'occasion privilégiée pour moi de dire combien je suis ému de ce retour au Maroc. Un retour qui, en fait, est une deuxième occasion de revenir à cette terre de première naissance. Que j'ai revisité il y a 6 mois à peine, après une coupure de quasiment 30 ans. Un Maroc qui est resté dans le cœur des Juifs marocains, inscrit dans leur horizon affectif. Un Maroc où s'enracine profondément tout un magma identitaire, tout un patrimoine des strates de civilisation, de culture, de langue, qui font que
retrouver aujourd'hui une réconciliation et un devenir de paix entre nous, Israéliens, et les Palestiniens et les pays arabes, grâce entre autres à la faveur du rôle clé, déterminant, joué par ce pays béni qu'est le Maroc, déjà au cours de la première paix israélo-égyptienne. Un pays pionnier dans ce rapprochement entre nous, les Arabes et les Palestiniens. Un pays qui était en fait, et qui reste toujours, prédestiné, prédisposé pour le faire. Il y a 6 mois, lorsque j'avais pour la première fois refoulé dans le respect et la ferveur religieuse le sol marocain, j'avais ressenti comme une vanne mémorielle qui s'ouvrait, qu'alimentait tout un orage affectif, par où défilaient toutes ces séquences de l'âge d'or, de ce paradis connu au Maroc. Et peu à peu, réidentifiant les paysages, les hommes, les figures, leurs manières, j'ai tout de suite compris, entre autres à la faveur de discussions avec certaines personnalités marocaines, des gens du peuple, en quoi et comment le Maroc a pu remplir ce rôle fondamental de catalyseur d'un dialogue, de support matériel, conceptuel, affectif, d'un dialogue entre Israël, les Arabes et les Palestiniens. Car me disait un Marocain illustre, le ministre des Affaires sociales, s'il m'est permis de citer son nom, les Marocains, me disait-il, au sommet comme à la base, sont conscients de l'antériorité par où ne se signifie pas nécessairement supériorité, loin de là, mais de l'antériorité historique, juive en terre maghrébine. Et cette conscience pour le Marocain, à la faveur aussi de plus de 1000 ans de coexistence, était hautement significative. Mais à partir de là, moi j'ai tout compris. J'ai compris que Israël, qui vise à travers cette paix, cette réconciliation en devenir, en gestation, son admission plénière dans le monde arabe, au niveau non seulement politique, mais aussi philosophique, spirituel, intellectuel, culturel, pouvait trouver dans ce Maroc non seulement une terre de prédilection, mais aussi une puissante énergie pour mettre sur orbite Israéliens et Arabes et creuser ensemble avec eux le dialogue culturel du rapprochement et de la réconciliation entre les peuples. Cher Yehuda, comme on m'avait dit, ils nous ont dit, que ce soit en Palestine ou en Israël, vous êtes chez vous, revenez, je vous dis que vous êtes chez vous. Revenez quand vous voulez au Maroc, vous êtes chez vous. Shukran jiddan. Faisons place, encore une fois à la musique, nous avons l'immense joie de recevoir M. Ayam, ambassadeur du Canada au Maroc, et M. Perrin, professeur de musique à Rabat. Mais vous savez, je ne reçois pas ni l'ambassadeur ni le professeur, je reçois l'ami. L'amitié n'a pas de frontières. Et d'ailleurs, je tiens à dire que nous sommes rencontrés aussi, parce qu'on parle de l'amitié, nous sommes rencontrés sous le signe de l'amitié par Simone. D'ailleurs, c'est presque grâce à elle que vous êtes là et que je tiens à remercier. C'est exact. C'était par Simone, qui est aussi devenu un très cher ami depuis notre arrivée au Maroc, il y a déjà 3 ans. Voilà. Quel morceau vous allez nous interpréter ce soir? Ce soir, votre Canadien a choisi un morceau français. Et le français? J'espère que c'est un dialogue, parce qu'apparemment... C'est bien un dialogue. C'est la musique de Francis Poulenc, qui date des années 50 de ce siècle. C'est écrit il y a une quarantaine d'années. Et il s'est vu devenu, ça fait maintenant partie de la répertoire international universel, qui est la musique universelle sans langage, mais qui est compris par tout le monde.
Nous avons choisi le premier mouvement seulement, qui représente pour nous un petit défi pour la solidarité. C'est-à-dire, le piano et le flûte doivent rester ensemble et terminer au même moment. J'espère que... Pour l'audience, je pense que c'est peut-être un défi, plutôt un défi dans le sens tolérance. Nous sommes des musiciens de dimanche, dimanche après-midi en effet. Thank you.
Je ne peux pas, en tant que peintre, ne pas vous parler d'un peintre dont j'ai découvert l'œuvre, qui est une peinture passionnante, et qui s'appelle Thibary Cantor. Bonsoir, Thibary. Je crois, en tant que peintre, et j'ai l'expérience, il est toujours difficile de parler de son travail. Alors, je te demande de nous parler de ton travail. Vous me demandez pour la première question si je peux parler de mon acheminement. Oui, ton cheminement artistique et comment je suis arrivé à la peinture. Oh, je trouve que depuis mon enfance, je m'intéresse au dessin et à la peinture. Je dessine depuis mon jeune enfance. Après mes études artistiques, après mes études scolaires, primaires et secondaires, je me suis inscrit à l'école des Beaux-Arts du Casablanca. C'était un champ d'expérience intéressant. Après 3 ans dans cette école, j'ai reçu une bourse. Je me suis inscrit à l'école, à l'Académie royale des Beaux-Arts de Liège. Puis à Bruxelles pendant 4 ans. Pendant ce temps-là, je faisais la peinture. Je travaillais le gravure dans les cours du soir aussi. Après mes études artistiques en Belgique, je suis resté 3 ans comme artiste professionnel. Je travaille et j'expose. Je vous remercie. Continuons à parler de dialogue. À partir du moment où on est entre amis, on ne peut pas non plus ne pas accepter quand un ami vous demande « J'ai envie de poser une question à l'autre ami de ma gauche. » J'ai beaucoup apprécié le dialogue assez extraordinaire qu'il y a eu tout à l'heure devant nous entre M. Khalid Jamei et M. l'ambassadeur. Dialogue qui nous a fait passer du Maroc en Israël et chez les Palestiniens et d'un autre côté qui nous a fait voir le voyage de l'ambassadeur au Maroc et aussi le fait de retrouver ici son lieu de naissance et ses souvenirs d'enfance. Nous avons été bercés par cette musique. Je crois que c'est la plus belle, la musique de la paix. Et dans mon cœur, je pense que ce que je peux espérer le plus au monde, c'est que ce genre de dialogue, ce genre de musique puisse continuer. Puisse toujours continuer. Malheureusement, en tant qu'historien, je peux difficilement me laisser bercer d'illusions. L'histoire montre des faits têtus, et il faut aussi apprendre à dialoguer avec ces faits, à en tenir compte de la façon la plus exacte, la plus honnête, et autant que l'on peut, la plus objective possible. Tout à l'heure, Monsieur l'ambassadeur disait que cette paix n'est pas encore là tout à fait. Nous sommes en train de cheminer vers la paix. Et probablement, pour que cette paix puisse un jour se réaliser, un certain nombre de conditions doivent être là, doivent être présentes. J'en vois au moins 2 qui me paraissent pour moi extrêmement importantes. C'est d'un côté la réciprocité et de l'autre côté l'égalité. 2 partenaires ne peuvent pas arriver à s'entendre, ne peuvent pas arriver à maintenir entre eux le dialogue et la paix si au départ ces conditions ne sont pas remplies. Alors la question que je voudrais poser à M. l'ambassadeur est la suivante. À son avis, à quel degré aujourd'hui ces 2 conditions sont-elles réalisées ? Et comment il voit pour l'avenir le progrès dans le sens de la réalisation de ces 2 conditions. Je pose une question générale, mais je pense qu'à travers cette question, peut-être, on pourra mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui pourrait se passer dans l'avenir. Merci de cette rallonge dialogueuse, généreuse en elle-même. J'étais très touché et très sensible par vos remarques. Monsieur le professeur Chedid, je vous dirai d'emblée, dans la sincérité qu'il me semble, et j'en suis profondément convaincu,
qu'au moins la première condition se remplit pleinement entre nous les Palestiniens. On oublie trop souvent que la déclaration de principe signée à Washington le 13 septembre dernier, de l'année dernière, bientôt scellée dans cette reconnaissance du prix Nobel, est sous-tendue par en fait une relation nouvelle, par une véritable genèse, par un véritable phénomène fondateur. C'est ce qu'on appelle tout simplement, plutôt que réciprocité, la reconnaissance mutuelle. La reconnaissance mutuelle entre nous et les Palestiniens est cette force motrice chargée de positivité considérable, qui permet d'ailleurs au processus de paix de s'enraciner dans une dimension, dans une région d'irréversibilité en dépit des difficultés de parcours. Je songe aux aléas des négociations, inhérentes à chaque négociation, mais aussi aux violences qui caractérisent ce parcours de paix. Eh bien, c'est grâce à la réciprocité, donc à la reconnaissance mutuelle, que cette nouvelle relation, cette nouvelle genèse s'établit entre Israéliens et Palestiniens, et par-delà les Palestiniens, entre Israéliens et Arabes. L'égalité se gère dans la déclaration de principe politique elle-même. Je suis à nouveau convaincu, intimement, que la mise en application de cette déclaration de principe est non seulement le signe, mais le fait avant-coureur d'une égalité dans le devenir, dans les années prochaines. Je voudrais essayer de terminer sur une remarque en rattrapant au vol les propos de Khalid Jamai sur Jérusalem, cette cité de paix universelle. Vous avez été très sensible à la signification même en arabe et en hébreu de Ursalim, où il y a le mot salam, et de Yerushalayim, où il y a le mot shalom. Une ossature phonético-sémantique qui agit comme une espèce de membrane vibratoire débitrice d'un rêve de paix, de réconciliation et de plénitude partagée entre nous, les Palestiniens, les Arabes et les religions du monde. Merci, merci sur cette note d'espoir, de paix, de bonheur et de joie. Merci.
Thank you.